Les femmes au Maroc a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a eu beaucoup de réalisations, que ce soit au niveau du code de la famille, le code de la nationalité, la révision des réserves de la CEDAO, ce qui était vraiment très important. Il y a aussi notre constitution, celle de 2011, qui prescrit les droits des femmes, les droits économiques, politiques, sociaux et civiques, et vraiment qui est une très grande avancée pour laquelle le mouvement des femmes a longtemps milité, parce que avant, il y avait une égalité au niveau des droits politiques seulement, mais pas au niveau des autres droits. Et il y a aussi les quotas qui ont été décidé pour que les femmes accèdent au Parlement et comme conseillères locales. Nous avons actuellement 17% de femmes au Parlement et 13% de femmes conseillères locales. C'est vrai, je peux vous dire que c'est encore faible, que d'autres efforts sont à venir. Et c'est pour cela vraiment que nous militons, que ce soit au niveau des féministes, que ce soit au niveau des droits de l'homme, que ce soit aussi même de l'État, pour faire avancer la participation politique des femmes, mais aussi la participation économique, parce que ces derniers temps, la participation économique des femmes a vraiment régressé. Et donc, à ce niveau-là, il y a aussi pas mal d'efforts qui sont faits pour que les femmes vraiment accèdent au monde du travail, non seulement en tant qu'exécutrice, mais aussi en tant que conceptrice dans les postes de décision. Oh, je crois que la société civile est en train de faire du beau travail. Quand on voit la société civile en Grèce, quand on la voit en Grèce et puis en Italie, ils sont vraiment mobilisés. On le voit aussi en Allemagne. La société civile est mobilisée, mais il y a aussi une contre-société civile qui s'oppose totalement. Et je crois que c'est là où vraiment l'intervention de Teresa Fernandez ce matin était très très importante. Parce qu'on est dans une démocratie qui est envahie par le libéralisme, par le populisme, par le racisme. Alors donc la société civile, elle fait ce qu'elle peut, mais elle ne peut pas se substituer à l'État. Elle ne peut pas se substituer au grand pouvoir des institutions. Les États aussi, ils ont leur politique interne et ils ont à gérer leurs élections. Et on le voit très bien, donc c'est l'intérêt national qui prime sur l'intérêt humain. Je crois que c'est une initiative très très importante. D'abord parce qu'elle nous met en contact. Donc les femmes de la Méditerranée du Nord et du Sud, c'est la première fois. Mais moi, l'importance de ce forum réside dans le suivi des actes de ce forum. Parce que nous voyons qu'il y a énormément de forums, il y a énormément d'associations, il y a énormément de groupes de recherche, mais ce que nous voyons sur le terrain est encore minime. Donc là, comment fructifier cet investissement des femmes dans la Méditerranée à travers toutes ces institutions pour qu'on crée un groupe de pression très fort pour qu'on agisse sur la question des immigrés, sur la question des droits des femmes, sur la question de l'égalité, des questions que nous partageons en commun.